Bonjour et bienvenue dans l'édition du 27 décembre de La Chapelle Info. La phase 3 qualificative pour le championnat de France de Scrabble. Où est passé le Père Noël avec la compagnie Mosaïque à l'espace Mandela. Et pour conclure, un premier tournoi de football en hommage à Sébastien Gomes dos Santos. Dimanche 15 décembre, 64 joueurs ont participé à la phase 3 qualificative pour le championnat de France de Scrabble complexe sportif, un championnat qui se déroulera en mai 2020 à Vichy. Sur les 2500 inscrits au niveau national, seuls 350 d'entre eux se sont qualifiés, dont 23 joueurs à La Chapelle et une seule joueuse du club chapellois, Arlette Lecoq. Malgré des mots en première partie comme « tiade » qui signifiait dans l'Antiquité « bacchante » ou « lancé au lait » terminé en forme de lance, la deuxième partie fut tout aussi exceptionnelle avec Pinsard, cheval qui s'appuie sur l'avant du sabot en marchant, Zamou, veilleur de nuit en Afrique centrale, ainsi que Kantiste relatif à la philosophie de Kant ou encore Alopécie, la chute des cheveux. Bref, beaucoup de joueurs y ont laissé des plumes. Stéphane Girard de Dunkerque termine premier à La Chapelle avec 2752 points sur 2820 et second ex aequo au niveau national à un point du premier. Daniel Félez de Ronchin, quant à lui, termine second à La Chapelle et quatrième au national. Prochain tournoi à La Chapelle les 18 et 19 janvier 2020 avec le 18 des parties originales avec les clubs de Lourdes et Brignoles et le 19 5 autres clubs via Internet. Mais d'ici là, le club chapellois ira défendre ses couleurs au championnat du Nord le 5 janvier prochain à Dunkerque. Le Père Noël a disparu dimanche 15 décembre à l'espace Mandela. Pensant qu'il passait du bon temps quelque part, son fidèle assistant l'elfe Tinuviel est parti à sa recherche avec le concours des enfants présents. Un voyage qui a permis aux enfants de découvrir de nombreux personnages, la Belle et la Bête, Peter Pan, Mulan, des pirates et même un automate plus vrai que nature. Après avoir sillonné les quatre coins de la planète, l'Orient, la Polynésie, l'Amérique, l'Afrique, sans oublier l'Europe et le pôle Nord, c'est avec le concours de la Reine des Neiges de la compagnie Mosaïque que le Père Noël fut retrouvé pour le plus grand plaisir des enfants qui ont pu faire des photos en sa compagnie avant de quitter la salle, rassurés. Le club des supporters a organisé un tournoi U10 U11 dimanche dernier au complexe sportif. Ce tournoi a été dédié à Sébastien Gomes dos Santos, dirigeant du club, disparu subitement le 14 janvier 2019 à l'âge de 35 ans. 20 équipes originaires des Hauts-de-France ont participé à cet hommage dans un esprit sportif à la hauteur de 7 journées. Une journée qui s'est terminée par une finale disputée entre le FC Calais et le FC Chantilly en 2 fois 10 minutes. Les Calaisiens se sont montrés déterminés dès le début de la rencontre, avec de belles actions, une détermination qui a fini par payer à la toute fin de la première période avec un premier but. En seconde période, Chantilly s'est bien battu pour revenir au score avec également de belles actions, mais le mur formé par le gardien calaisien était infranchissable et les Calaisiens ont réussi à inscrire 2 nouveaux buts. Ils ont donc remporté ce match avec un score de 3 à 0. Avant la remise des récompenses, l'épouse de Sébastien, Élodie, s'est vue remettre un bouquet de fleurs sous de chaleureux applaudissements. Orlana, la fille de Sébastien qui évolue dans le club chapellois, s'est vue remettre une récompense pour sa participation au tournoi et pour le but qu'elle a inscrit. Au classement final, on retrouve 18e l'équipe du FCCA3, 15e l'équipe du FCCA2, 8e l'équipe du FCCA1 et sur le podium, 3e Saint-Omer, 2e Chantilly et 1er Calais.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Excellente fin d'année à toutes et tous et rendez-vous bon pied bon œil le vendredi 3 janvier.